Salut les petits gars, c'est jeudi. Quoi de neuf? Eh ben, pas grand-chose, hein. Sur le blog, il y a un nouvel article que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Ben, donc cet article parle des plumes, je vous montre en vitesse. Hop. Donc avec chaque fois la plume et le montant. Donc je n'ai pas prévenu les fans parce que, comme j'avais dit qu'il y avait la vidéo, comme j'avais dit hier qu'il y aurait la vidéo aujourd'hui, ben, comme je suppose que vous avez regardé la vidéo, ben voilà. Dans ma vie, ben, hier soir j'ai commencé à faire les fruits, mais seulement j'ai pas le temps de le faire parce que j'ai commencé un peu tard par rapport à la fermeture du magasin. Donc voilà. Là, je suis chez Renard, comme vous voyez, j'essaye de. J'ai acheté donc tous les objets qu'il avait, y compris le tableau. Je sais pas si vous avez des astuces pour savoir quand c'est une contrefaçon ou pas. On m'a dit l'emplacement du tableau, enfin, je ne sais pas, donc. Bah. On va voir si c'est une contrefaçon ou pas. J'espère que non, ça serait bien parce que depuis que j'ai recommencé, il y a eu, je crois, une fois que j'ai pas eu de contrefaçon et ça crée un peu. Ça me saoule un peu et voilà. Oui, je sais pas si vous avez vu, j'ai un autre stylet, j'ai changé de stylet. C'est vraiment comme un bic. C'est vraiment taille bic en fait, c'est parce qu'en fait, je paume tout le temps le mien donc. Et là, moi, je suis de le retrouver. Bon. Faire un don. Je sens que c'est une contrefaçon, je sais pas pourquoi. Super, merci Renard. Je te balance la Isabelle dans ta tente, je le sens. Ah là là, ça bête, dit la renard. Donc, ouais. Ben oui. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que enfin, sûrement. Il fait froid dehors maintenant dans l'Animal Crossing. Enfin, il fait froid dehors aussi dans la vraie vie, mais. En Belgique, du moins, il fait froid. Parce que regardez, il y a des petites taches violettes par terre, donc à mon avis, ça doit être un peu gelé, à mon avis, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon petit bonnet, mon petit pull bien épais, enfin, t-shirt coton, mais bon. Excusez-moi, on va y arriver. Qu'est-ce que je peux montrer? Oui, mon allée des cerisiers, ben, je vous ai montré la photo dans le journal. Elle est vraiment pas mal du tout. Moi, j'aime vraiment bien. J'ai commencé à cueillir des fruits. Donc, elle est sans fruits aujourd'hui. Donc, voilà. Oh là, j'ai plein de fleurs arrosées, moi. Donc, aujourd'hui, là, pour le moment, elle est sans fruits. Ben, tiens, je voulais voir ce qu'il y a chez côté de la layette. Comme ça, vous saurez peut-être les prochains motifs qu'il y aura. Parce que comme généralement j'essaie de m'arranger pour faire des motifs en lien avec les accessoires que j'y trouve, ben voilà. Là, il y a un motif là, pour le bonnet que je porte, c'est juste que j'avais pas besoin de mettre. C'est maintenant si c'est une belle paire de lunettes, je pense pas que je ferai un motif pour une belle paire de lunettes. Hein. Les motifs qui sont ici sont tous sur le blog, même celui de Keke qui est juste là. Il est sur le blog aussi. Hein. Eh ben, il n'y a pas grand-chose, les petits gars. Désolé, il n'y aura pas de motif pour accessoire aujourd'hui. Peut-être quand même prendre. Oui, mais je voulais aussi vous prévenir qu'il y a un nouveau motif sur le blog. C'est robe chaude bleue avec une écharpe, vous verrez, avec un petit cœur. C'est dans les robes, vous allez les voir. Enfin, jeter un petit coup d'œil. Une épingle lune, bien sûr que je vais l'acheter. Ça me changera un petit peu de mon épingle cœur. Donc, ben voilà, ben, qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Bon, ben, mes petits achats plus tard là. Je vais aller chez Nook. Ciao. Est-ce que vous parlez de temps en temps à Cousette qui est toujours le nez penché sur sa machine à coudre? Moi maintenant je commence un petit peu à lui parler, voir un peu ce qu'elle va me répondre. Et c'est vrai que parfois au départ c'était oui, il y a la vendeuse qui est là, enfin voilà quoi. Donc elle me parle un petit peu plus. Je me prends le comptoir. Ah oui, comment ça s'est passé le jour de l'alerte chez vous? Bah, parce que moi bon, ça a été. Moi j'ai entendu quelques hymnes avant d'en choisir un. Et pour finir, en fait, j'ai choisi celui de Ruby pour finir. Donc, là, je vais racheter une. J'ai choisi celui de Ruby. Donc parce que c'est vrai entendu. Mais. Bah, je le trouve fun, je le trouve cool.
Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre? Ça, je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. C'est une barrière western. Je sais pourquoi vous l'achetez. Donc, je précise en fait que tous les objets, comme j'avais expliqué, que j'avais, que j'achetais tous les objets que je n'avais pas encore, pas vraiment le catalogue au grand complet. J'ai pas tous les objets chez moi, ni dans mon armoire. Ce qui se passe en fait, c'est que je les revends, mais que je les donne. Généralement, je les envoie en cadeau à mes habitants. Donc, voilà. Comme ça, je les ai dans mon catalogue et je leur en fais cadeau. Donc voilà. J'ai commencé aussi à faire les petits trucs pour avoir la hache dorée. J'ai un petit navet pour Morsicus quand il viendra. J'espère qu'il est mort. La journée qui est très poussée. Donc je l'ai laissé là parce que j'arrive pas à le mettre dans mon armoire. C'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Pas grand-chose. Ça sera peut-être une vidéo un peu courte. Hein. Allez, je vais vous montrer un petit peu mon intérieur aujourd'hui. Hein. Parce qu'il y en a parfois qui le réclament. Comme vous voyez, la maison est toujours assez petite parce que pour le moment, j'épargne. J'épargne pour pouvoir m'offrir la couronne, en fait, quand elle sera là. Donc voilà un petit peu comment c'est chez moi pour le moment, avec les canapés, toujours la lampe champi. Mais ce que je vais sûrement faire, c'est que quand il y aura de la neige, je vais m'arranger pour faire de la place ici. Je vais vider toute la pièce, excepté peut-être le sol, enfin donc voilà, pour mettre la collection des Kitty. Parce que bon, j'aime bien cette collection-là, elle est assez mignon avec les petits bonhommes de neige, donc voilà. La collection Yetiti prendra la place à un moment ici. Oh, je vous ai même pas montré l'étage. C'est pas grave, il n'y a pas grand chose à l'étage. Oui, la neige. Oui, on ferait juste, je pense, d'avoir la neige. Je sais pas si vous avez vu le bulletin météo sur le tableau que je vous avais montré. Ah non, c'est le tournoi de pêche. Je parle du tournoi de pêche qui aura lieu dimanche. Excellent. Et novembre, les matinées seront plus fraîches, la neige pourrait faire son apparition. Je crois que dans la vie réelle, l'hiver vient le 21 novembre, je crois, je suis pas sûre. Je suis pas très douée en date avec les dates, donc voilà. Donc pourquoi pas ici aussi, que la neige serait là une semaine avant ou quoi, ça serait super. Enfin, moi, je me réjouis vraiment d'avoir la neige. Niveau pour planter des arbres, je vais me calmer un peu parce que sinon j'aurais du mal avec les boules de neige pour faire les yétiti. Donc je ne planterai plus d'arbres avant le printemps, je vais y arriver. Donc j'aurai pas de ville parfaite avant le printemps. Ah, il est 9h. Avant le printemps, donc voilà. Écoutez, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous remercie encore de votre fidélité. Bisous!